Dans un instant, la vie des médias. Demain, confessions intimes. Patrick Topalov a tout connu, la gloire et la prison. Réussira-t-il à reprendre contact avec son fils qu'il ne voit plus depuis 16 ans? J'ai 16 ans d'amour à donner, hein. C'est du boulot, hein. Insultes, gestes désordonnés, ils sont atteints de la maladie de Gilles de la Tourette et tentent d'affronter le regard des autres. J'ai l'impression d'être une bête féroce, mais je suis pas féroce. C'est tout le contraire. Mélanie a tout quitté pour devenir une star du X. Elle joue dans son premier long métrage et signe son premier contrat. J'ai pas encore parlé de ça à mes parents, ça viendra. Géraldine Carré présente Confessions intimes demain à 22h45 sur TF1. Oh Pascal, tu tires ou tu pointes? Il y a parfois des choix difficiles. Réfléchissez, Renault vous offre le choix entre 1000 euros d'équipement pour 1 euro de plus ou reprise Argus plus 1000 euros pour l'achat d'une Clio. Du 1er au 29 juin, c'est l'été du Club FR dans le réseau Renault. Testons l'efficacité du nouveau gel Viveldop Fixation Extrême. Ultra concentré en agent fixant, sa formule permet de créer des coiffures extrêmes qui résistent à toutes les folies. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Nouveau gel Viveldop Fixation Extrême. Coiffez toutes vos envies. Dop. Au sommaire de la vie des médias, un entretien avec Nicolas Hayek, le président du groupe Swatch. Puis un dossier sur le numérique terrestre avec les analyses de Dominique Baudis, Jean-Pierre Guérin, Jean-Pierre Jérémy et Pascal Regard. Tout de suite, les brèves de la semaine. Gonflé, la nouvelle campagne Malabar. TBWA avait même pensé aller plus loin dans l'humour. C'est le début d'une saga et la montée en puissance est prévue dans les prochains mois. Malabar, cola. L'annonceur, je pense, va nous encourager à aller plus loin très vite. Une fois de plus, c'était une première étape. On tentera d'autres choses par la suite. Mais toujours sur cette idée très simple de la bulle, c'est essentiel. C'est parce qu'on a un brief simple et juste par rapport au produit qu'on peut se permettre d'aller très loin en création. Sur la voie du désendettement, Vivendi Universal met un point final à la coûteuse aventure italienne de Canal+, en vendant Telepiu à Rupert Murdoch. Montant de la transaction, 1,5 milliard d'euros. En situation de monopole, la fusion est soumise au feu vert des autorités de la concurrence italienne. Publicis est le nouveau leader mondial de l'achat d'espace selon le dernier classement de l'Institut RECMA. Le groupe de Maurice Lévy gagne 4 places et passe devant Interpublic et WPP grâce à sa fusion avec l'américain Bcomtree au mois de mars dernier. Je crois qu'il est bon que la France se trouve dans une position de numéro 1 mondial. C'est dommage que ce soit pas pour le foot, mais c'est quand même bien que ce soit pour le business. Le Festival international de la publicité, qui va ouvrir ses portes la semaine prochaine à Cannes, va consacrer Nicolas Hayek, annonceur de l'année. C'est un peu un paradoxe, car l'inventeur de la Swatch n'aime guère que les agences de publicité se mêlent de ses campagnes. C'est en Suisse que Nicolas Hayek a bâti un empire, le groupe Swatch. Entrepreneur connu et reconnu, Nicolas Hayek est l'artisan en 1983 de la fusion des deux plus grands groupes horlogers suisses, alors proche de la liquidation. Aujourd'hui, fort de ses 18 marques, le groupe Swatch est le leader mondial de l'horlogerie. Nicolas Hayek, c'est l'inventeur de la Smart et de la Swatch. To me, life to live for me.
Nicolas Yec, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous ne prenez jamais d'agence de publicité quand vous devez lancer vos produits? Ben écoutez, nous prenons des agences de publicité, mais comme aide dans la dernière phase. Pas comme une agence qui doit nous donner les idées, qui doit nous donner la conception. Parce que nous avons des conceptions très spéciales. Nous donnons des messages et pas des images de nos produits. Mais les créatifs de la publicité ne sont pas quand même tous des menteurs? Pas, certainement pas. Ils sont tous des gens très très honnêtes, mais ils ne connaissent moins nos produits que nous-mêmes et ils connaissent moins notre mentalité et notre façon de communiquer que les autres. Mais comme industriel, quel est le public que vous visez? Vous adressez-vous aux 6 milliards de terriens ou pas? Nous n'avons pas de public cible comme on apprend ça à l'université. Et je dis à tous les jeunes qui nous écoutent ce soir, oubliez ceci. Votre public cible dans les produits émotionnels, comme ceux que nous produisons, comme les montres, c'est tout le monde. S'il y a un paysan chinois qui peut se payer une montre Breguet de chez moi qui coûte 100 000 euros, ben je la lui vendrai. Je ne dirai pas non, monsieur, vous n'êtes pas mon public cible. Mais alors, quel est le secret que vous avez pour avoir un message global qui s'adresse à tout le monde? Je vous donne l'exemple Swatch. Haute qualité, bas prix, provocation de la société et joie de vivre. Alors, comment nous avons communiqué ça? Nous avons... Ça intéresse tout le monde. Évidemment, ça intéresse tout le monde. La voiture que vous avez imaginée, c'était ce à quoi elle était destinée? Elle avait deux destinations, deux missions principales, très très fortes, très importantes. Alors nous avons dit, nous allons faire un peu le système Swatch. Premièrement, faire une voiture pour tout le monde, une voiture pour deux personnes pour commencer, puis nous ferons la deuxième, et puis une voiture écologique, c'est-à-dire une hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons avoir un tout petit moteur, que je n'ai pas ici, mais qui dépense très très peu d'essence, et qui crée de l'électricité lui-même. Et avec cette électricité, avec quatre moteurs sur les roues, nous avons plusieurs de ces voitures ici, nous allons faire une voiture écologique qui peut partir partout là où vous voulez et qui a la même flexibilité qu'une voiture à essence, mais en dépensant beaucoup moins. Alors avec Mercedes, nous nous sommes mis d'accord de commencer avec une voiture traditionnelle, avec un moteur traditionnel tel que la Smart, et continuer avec l'autre voiture, et puis... Dans la deuxième voiture, on n'était pas d'accord comment elle devait être. Et puis on a arrêté la deuxième voiture, mais la première est déjà là. Elle est devenue une légende. Et nous allons continuer avec d'autres personnes que Mercedes, probablement, pour étudier la deuxième. Le message écologique vous paraît donc primordial aujourd'hui? Oui, c'est tout simplement de l'égoïsme et pas du tout un genre d'apostolat que je veux faire en disant « moi je suis mieux que vous tous, je comprends ces problèmes ». J'ai peur, comme vous... Pour les prochaines générations, si nous détruisons cette terre qui est tellement belle, à quoi ça va nous servir d'avoir des tas de voitures? Quel est le message ou peut-être la provocation que vous avez envie de faire à Cannes, au Festival international de la publicité? De dire aux gens de la publicité qu'au lieu de perdre beaucoup de temps à des publicités trop longues, trop ennuyeuses, mal compréhensibles, il faut dire tout simplement, tout rapidement au public... De sorte que ma femme de ménage et le professeur de philosophie à la Sorbonne, tous les deux le comprennent immédiatement. Que ça nous économisera tous beaucoup d'argent et ça amènera beaucoup plus de développement économique parce que sans la publicité, personne ne peut avoir un développement industriel. Nicolas Yec, merci. Merci à vous. La télévision numérique terrestre a été lancée en période d'euphorie quand l'économie des médias était dopée par la bulle Internet. Mais celle-ci a explosé et le projet français ne semble plus adapté aux conditions du marché. Le CSA a décidé cette semaine de le reporter. Eyes ready. La télévision numérique terrestre est en crise. En Angleterre, la TNT a fait faillite et le groupe Carlton a licencié 4000 personnes. En Espagne, elle a été rayée de la carte. Inquiet, Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture et de la Communication, s'est montré partisan d'une pause. Le CSA, qui défend ardemment le projet, a finalement reporté de 3 mois l'attribution des fréquences. Les travaux nécessaires qui vont représenter 1 milliard de francs environ ne sont pas des travaux considérables financièrement par rapport à l'importance du projet, qui concerne tous les Français, mais ce milliard, encore faut-il savoir qui va le payer. Est-ce que c'est les pouvoirs publics? Ou bien est-ce que les pouvoirs publics vont demander aux opérateurs de télévision de financer ces aménagements dont ils vont ensuite bénéficier? Donc voilà, ce sont des questions qui doivent être tranchées, qui n'ont pas été encore et qu'il est important de trancher le plus rapidement possible.
La TNT doit permettre de recevoir jusqu'à 33 programmes sur une installation télévisée conventionnelle avec un décodeur approprié. Sur ces 33 canaux, 3 doivent être concédés aux télévisions locales, 8 aux services publics et 22 seront attribués aux privés. Mais TF1, Canal+ et M6 n'ont droit qu'à 2 canaux seulement, au prétexte qu'il faut faire la place à de nouveaux entrants comme Jérôme Sédoux, Vincent Bolloré ou Claude Berda. Je suis prêt à tout, t'entends ? Je suis prêt à tout, mais j'y arriverai. La réussite d'une chaîne de télévision repose sur ses programmes. À ce jour, les abonnements espérés et la publicité envisagée ne permettent pas de financer des programmes onéreux pour les chaînes de la TNT. Moi, en tant que producteur, j'attends rien de la TNT. Car c'est un peu comme le câble maintenant, qui a beaucoup plus d'ancienneté, évidemment. Le câble ne produit toujours pas. Bon, la TNT va produire dans combien de temps ? Il faut d'abord que ça existe, mais que ça soit rentabilisé. Il y a finalement un choix de chaînes qui sont données aux téléspectateurs et qui, eux, qu'est-ce qu'ils attendent, les téléspectateurs ? Ils attendent de voir des programmes et des programmes nouveaux. Or, ça, c'est pas la TNT qui va en produire. Donc, moi, en tant que producteur, ça m'intéresse pas. L'ouverture de la publicité au secteur interdit de télévision ne rentabilisera pas le numérique terrestre et elle ouvrira de plus un conflit avec la presse régionale et les radios qui en pâtiront. Simplement, pour situer les ordres de grandeur, TF1, c'est 1,5 milliard de recettes publicitaires, enfin de revenus provenant de la publicité en 2001. M6, c'est de l'ordre de 500 millions. Donc on voit que les ordres de grandeur sont effectivement pas compatibles. Et ça paraît difficile d'imaginer qu'à partir de là, on peut développer complètement une nouvelle télévision, de nouvelles chaînes, en dehors de tout autre contexte, uniquement basée sur ses revenus. Le milieu du cinéma est très inquiet. Il vit grâce aux investissements de TPS, Canal+, et Canal Satellite, et il redoute que le numérique terrestre fasse baisser les abonnements de ces chaînes et donc leur part d'investissement dans la production. Il faut tenir compte de la situation économique, profiter du fait qu'on ne peut pas techniquement lancer rapidement la TNT pour réfléchir aux conditions économiques de la réalisation. Si on s'aperçoit que les conditions économiques n'existent pas, eh ben, il faut complètement renoncer au projet. Mais nous, a priori, on n'est pas anti-TNT, comme on n'est pas pro-TNT. On dit on veut réfléchir calmement, tranquillement, pour faire en sorte que ce nouveau mode de diffusion serve la création. Ce qui est important, c'est la création, c'est pas la diffusion. Le monde du contenu a donc rejoint celui des tuyaux pour s'opposer à la TNT. Le CSA tient compte de ce changement majeur et ouvre une concertation avec le ministère de la Culture et celui des Finances. Quand celle-ci sera rendue publique en septembre, il prendra, en accord avec le gouvernement, une décision définitive sur le dossier. Le report de la TNT pour une longue période, son abandon définitif ou une simple remise à plat. Pour plaire au cinéma, Canal Satellite renoncerait à diffuser les 6 nouvelles chaînes cinéma du groupe AB. Diffusées depuis le Luxembourg, ces chaînes n'allaient verser aucune contribution au 7e art. Ils sont dans une logique, je pense, de réduction de leurs coûts. On est dans des logiques de taille critique, ils veulent éditer de plus en plus de chaînes. On peut imaginer que demain, ils essayent effectivement de développer d'autres accords en France ou à l'étranger. En tout cas, en France, on sera très vigilant à de nouvelles arrivées du groupe AB. Pourquoi la vache qui rit, rit ? C'est la suite. Toute la France se pose encore la question du pourquoi. Et malgré les réponses farfelues de vrais gens pris sur le vif, personne n'a encore trouvé la réponse. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Elle a le sens de l'humour parce qu'elle est. Elle est namarrant. Alors, la vache qui rit, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Nouvelle vague de la campagne affichage pour l'Eurostar. L'agence Leg s'offre à nouveau les services des sosies de stars. Pour voir l'original, il vous faudra passer par le tunnel. Comme quoi, le marketing viral a du bon. Un film Umbro pour Internet, un peu trash, cette campagne française était destinée aux Anglais. Mais il a provoqué une levée de boucliers de tous les organismes de protection des animaux. Au final, c'est en France que la sauce a pris. C'était la vie des médias, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Oh.
vendredi 21 juin 2002, en direct sur TF1, Arthur vous propose de célébrer 20 ans de fête de la musique. 20 ans de tubes. 20 ans de stars. La fête de la musique, c'est vendredi à partir de 20h50, en direct sur TF1.